Je garde toujours un excellent souvenir de Briançonnet. Les enfants sont nés à Briançon, ont fait leurs études à Briançon. Et je garde un très bon souvenir de mes deux passages en Briançonnet, aussi bien au PGHM, qui pour moi a été un des plus beaux commandements, que quand je suis revenu pour l'Office du tourisme de Serre-Chevalier, en fin de carrière militaire, quand on m'a appelé pour essayer de redresser cette vallée qui est toujours aussi difficile. Voilà, sinon, on a fait des choses extraordinaires avec le PGHM à l'époque, et surtout avec un personnel remarquable, dont Michel Raymond, dont certains qui malheureusement ont disparu, avec des secours qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais une équipe vraiment extraordinaire. J'avais 30 bonhommes, dont la moitié des guides et des moniteurs nationaux de ski. On a fait de très belles choses et je garde de très bons souvenirs. Certains émouvants, et d'autres un peu plus drôles. Mais voilà, très belle expérience. On était à la fin de l'Alouette 2, le début de l'Alouette 3. On a fait vraiment de très 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 belles choses, mais passionnantes. Et on a poursuivi l'histoire du secours en montagne, qui j'espère continuera encore longtemps. J'ai confiance dans l'équipe actuelle, une belle équipe actuellement. Émouvant, ça ne me rajeunit pas, bien sûr, malheureusement. Non, mais c'est sympa et je tenais absolument à y être. Hein. Je suis remonté du sud pour être là, parce que je tiens à les soutenir et de tout cœur avec le commandant et son équipe, parce qu'ils ont monté une jolie petite opération.